Atticus, regardez cette belle bicoque. On retrouve du coup notre petite Bianca qui, pour rappel des règles, elles sont en barre d'infos, mais en gros, son seul moyen de revenu, c'est les cadeaux des dettes qu'elle reçoit. Et du coup, on va continuer. Donc le but aussi de sa vie, c'est de construire sa maison de rêve. Hein. Quelle maison de rêve pour le moment. Donc vous savez que pour le challenge, vous avez le droit d'avoir autant d'héritiers que vous le voulez hein, pour finir le challenge. Faut juste que ce soit du coup une fille qui prenne le relais. Et là, je m'aperçois qu'elle est quand même au milieu de sa vie. Mais j'ai bien envie qu'elle ait un enfant. Après, je sais pas combien ça coûte un lit. 247. Franchement, ce serait faisable. Et aussi, une autre chose que je devais faire, c'est lui rajouter de l'argent. 120. C'est parce que la dernière fois, on avait été sur un terrain communautaire et on avait gagné de l'argent en faisant rien. Et du coup, j'avais pensé qu'on avait notre cagnotte à 8 simflouz avant de partir et en fait, c'était à 118. Du coup, je me suis rajouté l'argent que je m'étais enlevé la semaine dernière par erreur. Et on va commencer à faire nos petites dates hein, en continu. Écoute, on va appeler des petits sims et puis ils pourront faire crac-crac hein, cette fois-ci. On va appeler Philippe parce qu'il a pas le cœur rouge. Là, ce serait quand même bien pratique que je reçois quelque chose parce que j'aimerais bien faire une nursery. Je pense que ça va nous prendre des années pour lui faire sa maison de rêve. Ouh, ils ont les petits cœurs. Allez, casse-toi. Ok, moi je suis d'accord pour te faire un petit rendez-vous. J'ai vu sur internet, mais c'est que des spéculations, que si tu laisses le bouquet longtemps devant la porte de la maison, il y a plus de chances qu'ils viennent t'apporter un cadeau. Et aussi qu'il faut essayer d'avoir des sims qui ont beaucoup d'objets dans leur inventaire. Notamment, vous savez, les sims de Nuit de Folie qui sont riches, là, le duc et la baronne, je sais plus comment ils s'appellent là. Donc on va essayer de faire ça. Ah, petit cœur, petit cœur. Écoutez, ils veulent les deux faire crac-crac. Allez-y, je vous laisse. Ok, elle n'est pas tombée enceinte. Ça m'arrange bien. Oh, elle est là. Salut, Joël. C'est Joël son nom? Il me semble que c'est un nom différent. Il faut aussi que je la fasse changer en bisexuelle. Parce que vous m'avez tous dit que ça ne vous dérangerait pas qu'elle change. Donc je me dis pourquoi pas et on pourra du coup sortir avec Joël. Le pauvre, il doit se dire, mais elle s'en fout de moi. Waouh, c'était formidable. Allez, on rentre. Pendant que j'y pense, Megby. Et voilà, parfait. Il faut qu'on attende un peu le matin pour avoir des petits gus. J'avais enlevé la télé, je crois, parce que ça faisait trop cher les factures. Et on invitera la petite meuf, là. Là. Ouh, elle veut bien. La petite coquienne. Les gens m'ont dit sur internet que tu offrais des cadeaux de ouf. Ouh, petit cœur. Un autre petit cœur, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. À part que tu vas mal, mais c'est pas grave, tu iras te faire de la bouffe. Ah, et elle s'est cassée de toute manière. 30 liaisons à la fois. Bah, tu vas vite y arriver, ma petite. Allez, un autre bouquet. J'aime bien comme ils sont pas du tout suspicieux que j'ai autant de bouquets. Là, faut qu'on commence à concevoir un bébé. Hein. Qui c'est qui est joli et qui a pas les cheveux noirs? Parce que le noir l'emporte sur les cheveux blonds. Franchement, Adrien Sim, il a une bonne bouille. Je pense qu'on va appeler Adrien Sim. Allez, je vais bouger le lit à l'extérieur. Comme ça, ils pourront faire crac-crac facilement. Allez, faites-moi un bébé. Purée, il veut se marier avec nous, hein. Mais franchement, on est leur meuf idéale. Ils tombent comme des mouches, là. Adrien veut faire crac-crac. Bon, on va faire crac-crac. Ouh. Ah, on n'a pas eu le petit truc de bébé. Mais ils vont le refaire. Au pire, je forcerai moi-même, hein. Et il veut leur faire en plus. Bon, ça tombe bien. Toujours pas. Dernière fois et après, je le fais manuellement. Non! Ce truc de bouquet ne marche pas du tout. Allez, dors un petit peu et on invitera un autre gus pour essayer d'avoir un bébé. Qui c'est qui a une bonne génétique? Jean, franchement. Allez, viens par là. Oh! Non mais encore, non mais ça y est. Non, mettre notre arrêt, mais à fond. Allez, faites-moi un petit crac-crac. On a la petite vidéo.
Allez, je vais le faire manuellement cette fois-ci. Essayez de faire un bébé. Allez-y. Oui. Écoutez, je vais vendre ces bouquets. Mais un sacré petit pactole. J'ai bien envie d'essayer Fabio Ramirez. Je sais qu'il est marié. Hein. Et on va commencer les rendez-vous. Continuons. Je vais rappeler la meuf riche. J'ai toujours espoir qu'elle me donne un max de fric. Je vais sortir le lit. Elles vont me faire un petit crac-crac. Eh ben non, c'est trop tard. Bah écoute, va juste au lit. Ah! Ah bah ça tombe bien. Nos besoins descendent tellement vite. Ça va être vraiment chaud de faire plusieurs dates là. Qui c'est qu'on n'a pas appelé depuis longtemps? Ben Barthélémy! En plus, il nous avait donné le piano. J'ai toujours espoir qu'il nous donne un truc un peu mieux. Alors, c'est encore plus de factures. Ouais, je crois pas que c'était paradisiaque. Hein. Franchement, elle est vraiment kiff sur Joël. Hein, parce qu'elle demande souvent à voir Joël. Mais pas forcément les autres. Et on va appeler Joël, du coup, vu que tu veux l'embrasser. On les enchaîne, là. Je veux du fric, je vous jure. Elles pourront aussi faire crac-crac. Allez, s'il te plaît, fais-moi un truc paradisiaque, parce qu'on n'a pas eu de paradisiaque depuis un sacré bout. Ok, c'est paradisiaque. Et on va remettre peut-être le lit à l'intérieur. Voilà. Ouh, Fabio a voulu. C'est la première fois. Je vous ai dit l'épisode dernier, il voulait jamais. Du coup, j'ai juste abandonné au bout d'un moment. Et j'ai d'ailleurs pas mis dans la vidéo, mais ça fait des semaines que je le cuisine, là. Allez, ils vont des meubles. Non? Oh, on me dit pas qu'elle accouche au plein milieu. Purée, elle accouche au plein milieu du date. Non, mais enfin! En plus, j'ai pas sauvegardé, donc je pourrais pas retourner au menu pour changer si c'était pas une fille. Oh, c'est une fille. On va l'appeler Myriam. Et bah écoutez, on va refaire la maison du coup. Alors, écoutez, j'ai fait de la merde. Je voulais reconstruire la maison et au final, je me suis aperçue que j'allais pas assez avoir les moyens de faire ça. Du coup, j'ai reconstruit la maison. Enfin, bref, c'était la galère. J'ai juste pu rajouter une porte au final et ce lit. Donc, je vais devoir gagner encore plus d'argent avec les dettes pour compenser ça. Bon, écoutez, c'était un fiasco. Je savais qu'elle nous aimait. Ça vaut combien? Non, c'est pas hyper cher. Mais franchement, ça va pour faire une autre pièce. Regardez-moi ça, j'ai assez pour faire une chambre. Et est-ce que j'ai assez pour faire une chambre pour le marmot? Et on va mettre le lit là. On a vraiment un début de maison. Je pense pas qu'on va remettre la télé pour le moment. Je vais garder des sous de réserve. Je sais pas encore si je vais garder cette shape de maison ou si je vais la changer ou juste l'améliorer. Oh, je suis trop contente. On commence vraiment à avoir un début de maison. Certes, on n'a aucune décoration et tout, hein, mais c'est déjà bien. Et écoutez, on va rappeler quelqu'un. Allez, Florian. Franchement, je suis trop contente, là. Encore un qui veut se marier avec nous. On est toujours en date, mais quand même, on prévoit le prochain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles faces à draguer. On vient vivre dans pas longtemps. Ce que je pense que je vais faire... La petite fontaine. Allez, va boire de l'élixir. Oui! Oh, est-ce mon chou?
C'est que 22h, on pourrait appeler Joël. Quoi qu'elle veut ce gars, hein. Là, déjà un petit crush? Oh non. Myriam nous repleure parmi. Changer la couche et tiens, continuer. Petit cœur. Cool, casse-toi maintenant, donne-nous le fric. Allez, occupe-toi un peu de ta fille. Ok, quelqu'un nous a mis un petit bouquet. Oh, il y a une nouvelle personne devant chez nous. On va la saluer. On va directement lui demander un rendez-vous. Mais d'y voir sa part du feu de Dieu. Allez, rien ne nous arrête. Allez, on fera un petit crac-crac avec elle aussi. C'est l'épisode des crac-crac. Ok. Elles sont devenues meilleures amies. Trop choupi. Vous imaginez quand elle va aller à l'école? Ta mère, elle fait quoi comme métier? Oh, ben écoutez, c'est une michto. Allez, qui c'est qu'on va prendre pour une date cette fois-ci? On reste avec Ramiro, là, Ramirez. Ok, c'est trop tôt le matin pour Rami. Ben lui, le petit bébé, on l'a pas vu depuis longtemps. Allez, raboule ton cul. Ah, oh, directement, mon petit vieux. Ah ouais, il veut nous fiancer. Bah ça, on a l'habitude, hein. Oh non! Oh non, Makoto! Ben, d'y voir, c'est la première fois qu'on se fait prendre. Ce pauvre Makoto. De toute façon, il nous avait jamais rien offert, donc c'est pas une grande perte. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Mais mademoiselle, qu'est-ce que c'est que ça? Je me dis pas qu'il faut que j'achète un miroir. Pourquoi elle est rousse? Ah, c'est pour ça qu'elle a les cheveux roses. Et il faut que je lui achète un pot, ce serait peut-être bien. Attendez, on va vendre ça. On va acheter un pot. On va galérer à avoir un bain remouant. On est pauvres de nouveau. Mais au moins Myriam pourra nous rapporter des dettes. Elle nous fera un retour sur investissement, là, Myriam. Je le sens. Ah, ça y est, on a l'estomac dans le talon, là. Ça coûte combien de faire le ma... Ouais, on n'a pas assez. Écoute, on va mettre 38 pour le moment. On va accepter la livraison. Et on va repartir en date. Qui c'est qu'on appelle? Bah, le petit père notre fille, quand même, un petit Jean. Franchement, j'ai l'impression que je les enchaîne plus que d'habitude, les dates, et qu'on gagne plus d'argent. Peut-être c'est juste moi, hein, après. Ok, casse-toi. Tu vas bien, on va appeler Joël du coup. Comme ça, on les enchaîne. Franchement, je sais pas, j'aime trop les deux là, Joël et Bianca. Si elle pouvait se marier, ce serait cool qu'elle se marie les deux. Mais elle ne peut pas. Ok. Ok, on a deux bouquets. Et on va reboire de l'élixir de vie un petit peu. Non mais cette gueule d'enfant du démon. Elle grandit quand l'autre? À 2 jours. Je me dis, je pense qu'on va faire jusqu'à l'anniversaire de la Pichoune et ensuite je vais arrêter. Et tiens, lui apprendre le langage. Ah bah, elle s'est endormie par terre. La gueule dans sa merde en plus. J'arrive pas du tout à suivre la cadence. C'est horrible. Je vous jure, là c'est la course. C'est que de la survie pour le moment. C'est que j'arrive pas du tout à faire de date pour le moment. Je viens parce qu'il y a juste notre enfant dehors là. Je pense qu'elle va se réveiller, elle va se changer. Ouais. Non mais regardez là. Elle est choupie, hein. Au moins elle dormira avec nous. On va mettre dans l'inventaire de sa mère le pot, ça et ça. On va lui faire un petit looking à elle aussi. J'ai juste à faire remonter un petit peu ses besoins. Elle est chou. Elle a les yeux gris de sa... Ah non, sa mère a les yeux verts. Je veux dire, elle a les yeux gris de sa mère, mais pas du tout. Du coup, elle est négligée. Elle est extrêmement extravertie, très fainéante, très espiègle, mais très sympathique. C'est sur cette pauvre Bianca que nous allons nous laisser pour cette fois-ci. Bah écoutez, beaucoup de rebondissements. On a quand même reçu une machine à karaoké qui nous a bien aidé à avancer la maison.
J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter ou même de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai aussi un autre let's play sur les Sims 2 sur mon sympa. Et du coup, d'ailleurs, la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour ce challenge-ci. Et moi, je vous dis à bientôt.